Attention pour la danse du camping. Vous ne serez pas le roi du camping que je vois là? J'ai besoin, quand je finis mes études, de venir en camping et de faire ça. J'ai mis mon petit micro, ma tenue d'animation juste ici et je vais aller faire mon cardio boxing. Depuis que j'ai 17 ans, j'ai toujours fait des jobs d'été pour aider mes parents parce que j'ai un frère jumeau aussi, donc bah, il faut tout le temps, tous les frais sont multipliés par deux aussi, qui fait aussi des études à Paris. Et j'ai toujours fait mes jobs d'été dans l'animation. J'allais venir là, ça c'était sûr. Tout le temps. Mais d'habitude, je tiens plus longtemps hors de l'eau. Jusqu'à midi normalement. On aurait pu faire autre chose, mais l'animation, ça fait longtemps que j'en fais avec les enfants, ça s'est toujours bien passé. Et là, avec les adultes, c'est encore mieux parce que forcément il y a des contacts, il y a des liens qui se créent avec les vacanciers. Et c'est trop bien. En vrai, c'est 2 mois où tu oublies un peu tout ce qui se passe dehors. Bonjour, ça va, tout se passe bien? C'est là où on loge pendant tout l'été. Donc du coup, moi, je suis arrivé le 3 juillet, je finis fin août. On est 4 à loger ici, donc il y a 4 chambres. Dans notre contrat, le logement, il est compris. Donc du coup, on paye rien pour le logement. Et par contre, on a juste la nourriture à nos frais. On est payé 10% de plus que le SMIC sur notre contrat. Donc je crois que c'est à peu près... 1600 brut, un truc comme ça. Allez, bon, on y va. Vas-y. On est en retard. Oui. Ouais, on s'est tapé sur les doigts. 44, let's go. Allez, la petite voiture. Ça fait très bizarre quand on sort du camping. Parce que dans le camping, tu dis bonjour à tout le monde et quand tu sors, bonjour. Bonjour. Quand tu sors, bah t'as juste l'impression d'être un mec normal. C'est très bizarre. Bonjour. Bonjour. Et bonsoir, mesdames et messieurs. Il est actuellement 18h50 au camping Le Soleil de la Méditerranée. Et dans 10 petites minutes, ça va commencer votre Marie l'apéro. Apéro ! Alors là-bas, oui. Oui. C'est une bonne réponse. Et c'est encore un point pour les ch'tis, messieurs, dames. J'ai mes parents qui habitent ici, donc je suis né ici à Perpignan. Donc je suis tout le temps dans la région, mais je fais mes études en Belgique. J'adore ça. Donc si je peux... Si je peux le faire encore, je sais pas, 4, 5, 6 ans dans l'été pour financer mes études, sans problème quoi. Je suis déguisé en Maya pour la première partie et après j'ai passé en chef indien. Alors aujourd'hui, quoi qu'il arrive, vous faites vos danses, vous allez jusqu'au bout, tous les gens ils vont kiffer. Na 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 na. C'est fini, le spectacle est terminé, là il est à peu près minuit. Du coup bah on va ranger un peu toute cette scène, enfin tous les loges, les costumes. Et la journée sera finie. Et voilà, pour le week-end, dernier jour.